Je ne sais pas quoi dire parce que on demande beaucoup à nos joueurs, on travaille beaucoup et le staff aussi bien entendu pour tout au long de la semaine et tout le monde je crois a vu le match, a vu la physionomie du match, a vu un gars qui était au milieu, qui était bien habillé, avec les chaussures assorties au maillot, voilà, qui a arbitré toute l'après-midi avec un bleu sourire et qui a passé la semaine sur Paris, qui a dû, je pense, bien visiter, bien se promener. Il s'est promené cet après-midi aussi, sauf qu'on était là pour faire un match de rugby de haut niveau, avec deux équipes, je crois, qui voulaient jouer. Deux belles équipes, et malheureusement, il manquait l'ingrédient principal dans ce sport. Et comme on sait l'incidence que cet ingrédient a dans notre sport, ça s'est terminé, comme tout le monde l'a vu, avec une parodie et un hold-up. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on s'est fait voler. Et vous me connaissez assez pour savoir que même si j'ai ma meilleure, je suis un stressé de la vie. Donc évidemment, j'ai savoure parce qu'il y a eu beaucoup de boulot et ces challenges de finir dans ces conditions-là, les premiers cycles, étaient loin d'être gagnés au début du championnat avec notre as de la saison dernière. Donc je suis heureux, je suis satisfait, je suis fier de ces groupes de mecs parce que ce qu'ils ont vécu en fin de saison, c'est que les coachs les ont donné comme vacances, c'était très court et ils se sont remis au boulot, ils n'ont rien lâché, ils se sont remis dans la bagarre quand on beaucoup les donnait peut-être déjà perdants. Donc on n'a rien fait encore, il y a beaucoup de travail, mais je suis très, très heureux de voir la réaction de ces joueurs, les boulots fournis.